La colère des ancêtres est la dernière réalisation des studios Montparnasse, un film réalisé par Melchisedek Obiangzue qui a pour message la conservation des valeurs culturelles en Afrique et surtout la préservation de la faune et la flore au Gabon. Nous avons une nouvelle production, La colère des ancêtres, un film très traditionnel qui vient souligner un thème très important à deux volets. D'un côté, l'importance de préserver notre environnement, donc la faune et la flore. Vraiment qu'on arrête de détruire les forêts, qu'on arrête d'abattre les animaux n'importe comment, parce qu'à terme, cela se retourne contre nous-mêmes. Et l'autre aspect, c'est l'aspect purement culturel, parce que c'est un film qui vient rappeler que tout homme a une identité culturelle. En Afrique, nous avons notre identité culturelle avec nos rites et coutumes que nous devons de préserver. Un film qui a vu la participation de l'artiste comédien ivoirien Bamba Bakary, qui est un acteur de renommée internationale. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que c'est quand même un poids lourd du cinéma africain. Mais Dieu merci, je me suis battu avec mon équipe jusqu'au bout et mes partenaires pour arriver à convaincre M. Bamba Bakary, qui après avoir lu le scénario, a été charmé par l'histoire et est venu travailler avec nous. Les studios Montparnasse, qui depuis 10 ans participent au rayonnement du cinéma gabonais, viennent là d'offrir aux cinéphiles une nouvelle production qui sortira bientôt en salle.